te couches sur mes... On devait pas être... Ouais, fais du rap, oh, mais éclaté ton rap, je dis, il est éclaté sur le table. En quoi de rester, par contre, il... Allô? Oui, maman? Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. C'est un vieux réflexe dégoûtant, une vieille manie dégueulasse. Je crois que c'est un réflexe. On se retrouve dans cette vidéo pour aller dîner avec nos deux femmes. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis 3 défis à Romain à réaliser le repas. Il doit faire 3 défis. Romain a mis 3 défis pour moi et si on les réalise pas, on a un gage. Okay. Vous avez... La production va nous envoyer tous les défis par message, sauf que les filles ne savent pas ce qui va se passer. Un dîner, 2 prétendantes. 3 défis chacun. Un gage à perdre ou gagner. C'est parti. Déjà, on sait même pas. Tu t'es même pas changé, toi. Tu t'en changes plus? Non. Bah, et toi? J'ai toujours ton slip, hein. Non, mais toi aussi, on a le même slip. Alors, là, elles vont arriver. Ouais. Ok, les filles, vous pouvez rentrer. On tombe pas le J'ai pas compris le principe, là. Alors, bon. J'avais proposé qu'en fait, les deux sexes en regardant la caméra. C'est pas une mission. Vas-y, installez-vous, je sais pas. Vas-y, moi. Pourquoi on s'est mis à côté? Mais pourquoi c'est bon? Non, mais c'est du coup, salut, ça va? Oui, le siège là, tu peux me le reculer s'il te plaît? Là, je passe pas là. Mais tu perds du poids, ma belle, non, j'ai gagné. Voilà. Tu veux pas que je te fasse manger aussi, non? Non. Bon, ça va. Juste la galanterie. Bon, déjà, elle a une culotte, c'est déjà ça. Allez, je t'en prie, permets-toi de parler de mes deux soupes. Heureusement, mais je dis, elle a une culotte, c'est déjà bien, ça m'étonne, je suis content. Mais c'est des remarques qu'on ne dit pas. Non, mais tu fais des efforts, c'est bien. Tu me manques de respect. Jamais, tu sais pas de dessous. Du coup, bah, enchanté. Bah, enchanté. J'ai affaire à Louise. Exactement. Je suis de la région lyonnaise. Ah oui, c'est ok. Mon date, je regarde bouffer là. C'est trop fort. Non, alors là, faut pas chercher là. Il mange sans moi, il me tourne le dos. Mais je tourne pas le dos. Il parle de mon cul. J'ai dit, c'est bien, tu es une culotte. Non, mais ça se dit pas. Ah, pardon. C'est quoi ce monde là? 2 secondes, j'ai juste reçu un petit. C'est vite. Tu choses du combien toi? 36 et demi. Ah, mais ça va. En fait, j'ai toujours rêvé. Une fille porte mes chaussures. Est-ce que tu pourrais porter mes chaussures? Je suis devant. À quel moment toi, tu vas à un date et tu demandes à une meuf de porter tes chaussures? Attends, vas-y. Ok, donc c'est moi qui dois t'enlever. Bah, je sais pas. Non. Fais essayer tes godasses à une meuf. Mais quoi? Et tu dis, t'as peur qu'elle aille courir avec. Voilà, Cendrillon 2022. Nickel, franchement. Mais voilà, ça tue. Mais franchement, tu vois. Moi, j'adore ta culotte. Elle en a une, mais vraiment très très mal. C'est tellement n'importe quoi aujourd'hui que j'ai envie de te dire, mais c'est comme si je demandais à ma prétendante de me lécher le doigt, quoi. Bah, tu peux me lécher le doigt? Non. Voilà. Et toi tu irais lécher le doigt derrière une fille quasiment? Bah justement, je sais pas si c'est la belle. Tu as une fierté. Toi tu pourrais lécher mon doigt ou pas? T'as lavé tes mains? Ouais. Bien sûr que je peux. Vas-y. Bloqué partout. C'est salé là, c'est salé là. Suce mon doigt. Qui moi? Oui bah c'est ça. Coller ton doigt. On devait pas être en date et manger. Ouais je pense que c'est pas. On parle de moi, de vie, de suce. Je trouve que déjà t'es une super jolie fille. Exactement. Ça me fait grand plaisir. Vous savez quoi, je laisse tous les 3. Mais quoi? Mais non. Non mais attendez, moi j'ai pas confiance. Ça se salue, j'ai pas ça à foutre. Pamela, que fais-tu? Pamela. Non je... Dis bien Curtis. Tu me complimentes, tu dis que tu très bien sur moi et tu me fais un poème. Moi dans tes bras et non dans tes draps, tu es la plus jolie fille de Paname. Ah c'est trop mignon. Ah voilà. Repris sur tes castings. Il y en a qui se rajeunissent, il y en a qui se vieillissent, c'est ça, c'est la vie. Ouais bon bref. Faut faire ce qu'il faut pour prendre. C'est très intéressant. Tu pourrais me faire une déclaration en espagnol pour voir si tu sais parler espagnol parce que je pense que tu mens. Yo no estoy una mentirosa. Parece un perro que huele mal. J'ai cru moi. Non, mais j'ai senti tes chaussettes. Floutez-moi cette culotte, j'ai compris. Voilà. Ouais, donc du coup, Romain. T'as mis quoi là? Toi, t'as fait la télé-réalité? Ouais, bois de l'eau, bois de l'eau. Ah merde. Tu vas te déshabiller? J'ai jamais ça, plus je joue ta mère. Mais arrête avec ça, l'autre. Putain, mais t'es pas mal en fait, hein. Moi j'ai une question à poser à Louise. Homme à caleçon ou homme à slip? À caleçon. Monte ton slip tout de suite, vas-y. Mais j'ai monte ton slip bar. Attends, calme-toi. Hein. Comme si j'avais sauté dessus, mais moi je veux pas. Mais oh, mais t'es sérieuse ou quoi? Elle a regardé ma bite. Elle est en fait. Je suis pas là. Il est bien quoi, c'est tout. Il a l'air bien. Il est bien monté. J'ai vraiment chaud. Non, mais est-ce que toi pour toi, Louise, pas? Arrête. Mais non, tu croyais qu'elle avait bien un sous-vêtement? En bas, oui. En haut. Pas mais des sous-vêtements. Tu veux une frite?
Non, j'en veux pas. Mais je veux pas. Franchement, t'es dégueulasse, c'est le pire date de ma life. En plus, j'en voulais pas, tu m'as dégoûté pour 10 ans des mecs. Mais je te jure. J'ai envie d'être un peu romantique et je vois que je te manque beaucoup de respect depuis tout à l'heure et je tenais à m'excuser parce que tu es une fille vraiment classe et tu es très classe. Et est-ce que tu accepterais de prendre cette frite dans la bouche avec ta bouche? Mais non, il y a le Covid. Ah, sans le Covid, là, tu vois, je fais comme ça. Je veux bien. Mais non, mais attends, vas-y, fini. Et si elle dit non, elle dit oui. Vas-y, ferme les yeux. J'arrive, je reviens. Tu vas où? Mais ferme les yeux longtemps. Ferme les yeux, ferme les yeux. Ferme bien les yeux, vas-y. Elle va bien te la manger. Attends, on va bien te la manger. Allez. Allô? Écoute-moi, j'ai envie de montrer que je suis un gentleman. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Attends. Tout ce que j'ai fait. Est-ce que je te fais prendre cette fille dans ma vie? Comme ça, vraiment, vraiment. De bouche à bouche. Tu me payes combien? 20 euros. Vas-y, va les chercher. Je te jure après, je te prends avec quelques paroles. C'est que là, je veux vraiment vous parler avec sentiment. Moi, en fait, j'ai grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille où. Il fallait absolument que je présente mes copines à mes parents. Et du coup, bah, ça me tient à cœur, ce soir, je pouvais me présenter à tes parents. Ce soir? Ouais. Pour le premier date? Bah non. Moi, je pense sachant que je vis vers Lyon et que nous sommes sur Paris. Ce que j'aurais pu faire, ouais. C'est pourquoi pas faire un FaceTime avec ta mère et je me présente. Ouais, franchement, ouais. Je kifferais de ouf. Ouais. Alors qu'on sait pas où ça va mener après. Et tu crois que mes parents ont que ça à faire de répondre en FaceTime à cette heure-ci? Mais non, mais c'est pas vrai, dis n'importe quoi, la vie dit n'importe quoi. Imagine-toi si tu sens pas exprès, il fait ça, il va croire qu'on a ta mère va croire qu'on a pas de boulogne. Non mais grave. T'imagines, il y a un phénomène, non? Non, je rigole. Jamais. T'as pas peur du danger, t'as pas peur de te prendre mon talon, tu vois. Non. Non mais franchement, à un moment donné, faut arrêter. Par contre, on voit encore qu'elle a pas de culotte. Non mais là, je me peux plus, c'est trop. Non mais franchement, moi je peux plus. Non, excuse-moi, non, reviens. Non, je m'en vais, Là, c'est bon, c'est là. Thérèse, on revient. Je peux pas, franchement, manquer de respect comme ça. Ah, désolé, là, excuse-moi. Rigole. Non mais si je peux pas me défendre quand on m'attaque sur mon physique. Mais je t'ai pas attaqué sur ton physique. Romain, ah, en fait, Romain, du coup, tu as pas vu les beaux-parents de tes beaux-parents? Mais non, du coup. Donc du coup, en fait, je crois que je me sens gagnant ce soir. Mais elle n'est pas obligée d'appeler sa maman. Oui. Moi, oui. Pour moi, quand on appelle son frère, quand on appelle sa sœur, c'est un lien de famille, non? D'accord. Oui. Et ben du coup. Je n'ai pas de frère et sœur. J'adore cette fille. Aujourd'hui, je me sens vainqueur gagnant. Je sens que il y a quelqu'un qui va faire quelque chose pour moi, qui va être extraordinaire, et que ça va se passer sur les bois de Boulogne. Je le sens vraiment. Donc il a intérêt à faire des efforts, cette personne. Non, on vous laisse un peu tous les deux. C'est mieux tous les deux. On revient. C'est mon téléphone. Mais en vrai, toi. Non, je vais nulle part. Moi, je vais à mon endroit et elle va à son endroit. Mais même pas en rêve, chérie. Mais tu me suis pas, hein. Va chercher les 20 balles pour de la frite déjà. Je vais vous parler une demi-heure. C'est le deck le plus. Je suis choquée. Je pense qu'ils sont faits un peu l'un pour l'autre, moi j'ai l'impression, tu vois. Ouais, y'a un truc, y'a un feeling entre eux. Ouais, ils se titillent bien. Ouais. Et ta mère, elle est où? Vers Lyon. Genre, tu voudrais pas la présenter Non. À un mec comme moi, quoi. C'est pas possible. Baisse-la! Souille-moi cette petite! Je vais beaucoup dans ma famille, en Espagne, en Tunisie. Ah, t'es tunisienne? Non, mais ma tante est mariée qu'un Tunisien. Ok, je suis tunisienne. Bah écoute, tant mieux. Ok, ça commence toujours comme ça, les histoires d'amour. Ah oui? Ouais. T'as dit ce qu'on dit? Bah ouais. Allez, revenez les amis, hein. C'est bon, vous avez fini de parler là? Allez! Mais fais-nous un rap, s'il te plaît. Vas-y, des rap? Eh, tu sais quoi, fais-nous un rap. Allez, vas-y, fais-nous un rap, vas-y. Explore, tu défiles. Laisse-moi le temps de choper. Mais tu chipes, tu te touches sur mes seins. Bah, je rigole, je rigole. Ok, c'est bon. Tu vois, ça c'est de faire marier. Moi je me suis toujours. Ma mère m'a dit le jour où tu présentes une fille, je veux qu'elle soit sans culotte et qu'elle rappe. Voilà. Et qu'elle fume les chichas. Tu sais quoi, je suis une femme indépendante en plus. Toi, c'est toi qui es toqué, c'est toi qui manque de respect. Jamais. C'est que de se clasher avec lui, je sais pas. Depuis tout à l'heure, t'es là, on dirait on peut pas parler. Pardon. Mais toi aussi, t'es con, toi aussi. Mais c'est vrai, t'es con. Non, mais la raison. T'es là depuis tout à l'heure, tu fais du rap, il est éclaté ton rap, je te le dis, il est éclaté sur une table. Manque pas de respect, par contre, il est pas éclaté. Non. Pourquoi dis pourquoi il est. Parce qu'il y a trop de gros mots, il y a trop de vulgarité, tu respectes pas la femme, tu respectes pas l'homme, tu vois. Je respecte pas la femme. Mais justement, je fais ça pour ceux qui. Quand c'est les Orelsan ou les Booba, tu vas pas dire que c'est nul. Mais quand c'est une femme qui parle un peu comme un bonhomme, ça dérange quand on dit des vérités. Si t'aimes pas, t'as pas le droit de juger comme ça, dire c'est la merde. Et j'ai plein de titres où j'ai pas de gros mots. Mais sans toi, si tu veux, mais tu vas dire encore quand on parle de moi, donc parle de toi. Et oui, Zapo.
Pareil, d'où les appeler les parents en fait, le mariage là. En fait, c'était le date le plus éclaté, frère, la vie de ma mère. Et oui, t'es pas, t'as perdu et que j'ai gagné, c'est tout. Mais t'as perdu quoi, frère? J'ai gagné, elle a mangé ma frite. Même pas je crois que ça m'avait plaisir de manger une frite. Heureusement qu'on était là pour pas que les gens. Mais vas-y, oui, ouais. Tu veux pas qu'on appelle ta mère pour refuser le date? Ouais. J'aimerais bien avoir un téléphone. Non, mais tiens, vas-y, je te jure, oui, je te plaît, ouais. Là, franchement. Allô? Oui, maman. Tu vas bien? Ah, mon bébé, comment ça va? J'ai une petite surprise pour toi, c'est pour ça que j'ai fait un FaceTime. Je voudrais te présenter une personne que. Non, mais je fais quoi, mais arrête. Maman! Mais maman! C'est moi! Ne comprends pas, t'as appelé ton homme! Je meurs ta fille! Et ben voilà, on parle de vulgarité. Mais non, c'est pas vulgaire, c'est lourd. Épouse-toi! Et voilà, je te présente Romain. Ravi de faire votre connaissance. Et voilà, et du coup je suis très contente de faire sa connaissance et je voulais vous transmettre tous mes respects, voilà, ça me semblait... C'est très agréable de l'entendre, un jeune homme qui connaît un petit peu le sens de la chevalerie, c'est bien. Merci. Donc voilà maman, je voulais te présenter ma nouvelle conquête, ok. Au revoir belle maman, au revoir. Bisous. C'est trop bien, aucun respect gros, c'est sa daronne frère. On a plus assez de batterie pour finir ce date qui est totalement, j'ai envie de dire, catastrophique, voilà. On vous a pas dit, donc à la base on devait faire un date, on a fait un date, mais on avait trois défis à réaliser ce soir sans que vous puissiez vous en rendre compte. Donc il y avait la frite, il y avait appeler ta maman. Putain, je me suis là. Ah, je m'en doutais, la frite, je m'en doutais. Il y avait la frite. Donc du coup, ce date, il était vraiment éclaté au sol. J'espère que ça vous plaira. Il fait que râler, c'est un truc de ouf. Mais pourquoi je râle? T'as montré tes fesses tout à l'heure. C'est toi qui as montré ton zizi en calbut. Mais c'est toi qui as râlé son zizi, tu l'as dit. Il est blanc ton calbut, tu la montreras toujours. Je vais vraiment la montrer comme ça. Moi, c'est trop bon celui. Ah vas-y, viens, je suis un petit câlin quand même, même si on se déteste maintenant. Non mais j'aime bien ton rap, mais pas trop non plus. Non, mais... Par contre, tu vas jamais faire ça. Je suis la bosse. Il me reste un dernier défi. Ah, il me reste un dernier défi, embrasser deux filles sur la bouche en même temps. Je te laisse. Tu dois choisir. Non, sur la bouche, on dit. Hein? On est sur la bouche. Partage pas. Mais vous embrassez Romain. Mais laisse-moi tranquille, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour une troisième vidéo dans les coulisses de Mime, ça sera... Ça va tard.